Cette année, j'ai participé à mon premier festival international de la BD et du manga d'Angoulême. À l'honneur, l'attaque des titans, avec une grosse exposition dans la médiathèque de la ville. Il y a aussi eu une superbe exposition pour Junji Ito et Ryoichi Ikegami avec des décors inédits, des planches originales et d'intéressantes anecdotes concernant leur passé, leur parcours et leurs œuvres. C'était une expérience très intéressante et plaisante, pour laquelle je pense qu'il ne faut pas avoir d'attente et où il est souhaitable de se préparer car il y a énormément de monde et on passe vite beaucoup de temps à attendre et faire la queue pour accéder aux expositions ou car les places pour rencontrer les auteurs japonais sont limitées et vite atteintes. Cela a aussi été le bon moment pour rencontrer les auteurs présents, échanger avec eux et se faire dédicacer un manga que je vous partage tout de suite en photo.